c'est mon tour. Allons, les enfants, du calme. Donne-moi l'album. Je t'ai dit, c'est pour moi. Oh, quel dommage. Il manque des photos. J'espère qu'on ne les a pas égarés dans le déménagement. Non, c'est moi qui les ai donnés à Poppy. Il voulait absolument un souvenir de notre aventure. Qui est ce Poppy? Et de quelle aventure parles-tu? Poppy, c'est le bébé qu'on a soigné. C'était juste avant qu'on aille chez l'horrible Bernache. Saprelotte, c'est qui ce Bernache? Soyez plus clair, Lapinos. Je ne comprends rien de cette affaire. Bernache, c'est le sanglier qui m'avait attrapé. Vous savez, celui qui avait... Non, justement, nous ne savons rien. Et il est grand temps que vous nous racontiez votre petite histoire. Car j'ai l'impression qu'elle était encore une fois très dangereuse. Je me trompe? Allez, allez, du courage. Un tout petit peu, oui. Mange pas tout. Gignan a dit qu'il voulait faire 3 tartes. C'est elle qui m'a montré cet endroit. C'est sa cachette secrète. Ouais, bah raison de plus pour pas tout manger. Aide-moi plutôt à les cueillir au lieu de discuter. Agaric, t'as entendu? On dirait qu'il y a quelqu'un. C'est sûrement quelqu'un qui ramasse aussi des murs. On était là au premier piqueur de gâchette. Agaric, viens voir. Non, t'es folle ou quoi? Tu vois pas ce que c'est? Ben non, c'est quoi? Cette fourrure, ces griffes et leurs têtes. T'as vu leurs têtes? Je crois que c'est des belettes. Et papa nous a interdit de s'approcher des belettes. Elles sont très méchantes. T'as raison, j'avais pas vu. Le pauvre, il souffre. T'as vu comme il se tord? Et le petit, regarde, il est en sueur. On peut pas les laisser comme ça, ils ont besoin de boire. Bon, d'accord, vas-y. Mais juste un peu d'eau, hein. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Attention, pirouette. Quoi? Je lui donne juste à boire. Je veux pas lui faire de mal. Là-bas. Il nous montre quelque chose. Va voir. Va voir, j'ai dit. Toujours à commander, celle-là. Oh non! Il y en a une autre ici. On va rentrer à la maison pour chercher de l'aide. Est-ce que j'ai une tête à soigner des belettes? Vous rêvez, mes pauvres. Si on vient, c'est juste pour vous protéger. Mais c'est Pirouette qui veut les soigner, pas moi. Allez, allez, dépêchez-vous, au lieu de blablater comme ça. C'est moi, vous me reconnaissez? Ce sont mes frères. Pas de problème, ils ne vous feront aucun mal. C'est bon, Pirouette, on se couvre. C'est ça, vous belettes?
C'est pas des belettes. On va l'installer à l'ombre, il sera mieux. Pirouette, j'ai plus d'eau pour les enfants. Et tu sais, le petit là-bas, je lui ai fait manger du gâteau aux carottes. C'est bien, hein? Oui, c'est très bien. Tu peux t'occuper de la grand-maman maintenant, celle qui est derrière le grand chêne. Et c'est pour ça que vous êtes tous malades? Parce que vous avez bu de la mauvaise eau? Oui, l'eau d'un étang qui se trouve en amont. La source que nous utilisons depuis toujours s'est asséchée. Quand nous sommes tous tombés malades, nous avons décidé de descendre la colline vers les Airelles pour trouver un remède. Mais nous étions à bout de force. Un étang est toujours stagnant. C'est donc normal que vous soyez tombés malades. En revanche, c'est bizarre que votre source soit tarie. L'été a commencé, mais l'eau ne manque jamais par ici. Pourtant, je t'assure, quand nous nous sommes réveillés un matin, il n'y avait plus une seule goutte d'eau. Et si vous alliez à la source, voir ce qui s'est passé? Bonne idée, surtout qu'il ne reste plus beaucoup de malades. Tu t'occuperas d'eux avec Dandelion et Agaric. Non, je veux venir à la source, moi, avec vous. Oh non, Dandelion, tu vas nous ralentir. Mais je veux voir pourquoi l'eau, elle est plus dedans la source. C'est incroyable. Je comprends pas où l'eau a pu s'écouler. Reste là, toi, tu pourrais te faire mal. Peut-être qu'un gros animal a tout bu. Oh, un dinosaure tant qu'il y est. Non, je pencherais plutôt pour une tempête. Regarde, tout est cassé. Ouais, c'est possible. C'est très, très bizarre, ça. Imagine. Le vent souffle tellement fort qu'il soulève l'eau et la déporte sur la rive. Hé, vous m'écoutez, oui? Ça prend l'hyperpète. J'ai dit que c'est bizarre. Il n'y a pas d'eau, mais il y a un bruit de robinet. Il a raison. Ça vient de là, on dirait. Ça alors? Un barrage? Quelqu'un a détourné l'eau des putois. C'est dégoûtant. Mais qui a pu faire ça? C'est ce qu'on va savoir. Suivez-moi. Le bruit vient de là. Ma pauvre Télésile, quand elle va voir ça demain, elle va enfin me tomber dans les bras. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ce sale voleur a détourné l'eau pour construire une piscine. Elle qui se plaint tout le temps de ses articulations, ça va la soulager. Je suis génial. À tout de suite, Manous. Allez hop, faut raconter ça au putois. Mais non, il n'y a qu'à lui reprendre l'eau maintenant. On casse les tuyaux et pof, l'eau elle coulera plus dans le bas. Moi je dis, c'est trop dangereux. Si l'animal nous voit, sûr qu'il va nous attraper. Je suis petit et il va pas me voir, moi. Hé, hey, t'es fou, fais attention. Ça alors, il y a plein de boue dedans. C'est dur, il a de la force, le voleur tourne.
Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Reviens maintenant! Allez! J'y arrive presque! Oh. Oh non, le voilà! Des truffes à gogo, nous dégusterons. Quoi? Il mange des truffes? Mais alors c'est un sang. Des truffes à gogo, nous dégusterons. Tiens, tiens, tiens! Les sangliers! Mais tu sais ce qu'ils font, les sangliers, au lapin dans l'espace? Ça, le lapin. Ne remets plus jamais les pieds ici, espèce de fouineur. Il criait comme un ogre et nous on courait. Moi je dis, c'est évident, ce sanglier est trop dangereux. Je vois pas ce qu'on pourrait faire contre lui. C'est la triste loi de la nature. Les plus forts ont toujours raison des plus faibles. Non, on va faire quelque chose. Il y a forcément un moyen, c'est sûr. Nous ne sommes pas des combattants, Pirouette, et vous non plus. Que pouvons-nous faire alors sinon partir pour trouver une autre source? Elle a raison, Pirouette. C'est vrai! Regarde-moi! J'ai fait tout ce que je pouvais et ben j'ai pas pu y arriver! Ou plutôt, tout ce que t'aurais pas dû faire! Allez, Poppy, dis au revoir à Pirouette. Ça va, Sœurette? On a entendu du bruit. Oui, ça va aller. Oh, mais tu pleures. C'est parce que... Oh, c'est pas juste qu'ils s'en aillent. Je voulais tellement les aider. Et Poppy, je leur verrai plus. Pirouette, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les accueillir ici? Tu sais bien que c'est impossible. Moi, je voudrais pas qu'ils viennent dans ma chambre parce que ça sentirait très... Très mauvais. Sentir mauvais? Mais voilà! C'est ça qu'on doit faire, j'y avais même pas pensé. Mais faire quoi? Le sanglier, quand est-ce qu'il doit voir son amoureuse? Demain, pourquoi? Génial! Alors j'ai un plan. Oh! Les murs, je vous en aurais cuisiné avant. On va tellement en ramener que tu pourras faire des tartes pour toute l'année. Tu parles, je préférerais porter des murs que tout ce barda, c'est lourd. Eh ben moi, je dis, ton plan est plutôt risqué, Pirouette. Moi, j'aimerais mieux rester à la maison avec ton Zinia parce que le sanglier, il m'a fait très peur hier. Mais non, si tu fais exactement ce que je dis, tout se passera bien. Tout ce qu'elle dit? Faire tout ce qu'elle dit? Nous devrions prendre la route depuis Joli. Oui, j'ai entendu parler d'une autre source par là-bas. Attendez! Je sais comment récupérer votre source. Et comment donner une belle leçon à ce sanglier de malheur. Youplapoum, elle va arriver, elle va m'adorer et elle va m'embrasser. La voilà. Tout est prêt, oui. C'est bon, ça. C'est parfait. Oui, voilà, j'arrive, mon poussin. C'est dans lui, le volant de source. Il va voir ce qu'il va voir. Chut. Vous avez bien compris, c'est bon. Surtout, soyez très discret. Tu peux nous faire confiance, Pirouette. Bonne chance, et fais bien attention à toi.
près du tuyau d'arrosage. Mais tu n'agiras que lorsque Pirouette te le dira. Oui, oui, j'ai compris. Seulement quand Pirouette me le dira. Après toi, mon oiseau des îles. Pas mal, Bernage. Le quoi bien choisi. Bon, j'espère que tu ne m'as pas fait venir pour ta collection de timbres. Non, non, c'est pas ça du tout. Ce bain de boue t'appartient, ma douce Tamia. Comme mon cœur, d'ailleurs. Un bain de boue en plein été, c'est chouette. Toi, au moins, tu sais parler aux femmes. Finalement, je t'avais mal jugé. Tu n'es pas aussi bêta que ça. Et j'ai encore d'autres surprises. Voyons plutôt voir ce bain de boue. Là-haut ! Elle est bien épaisse, délicieuse. T'es tellement belle, ma Tamia. J'ai jamais vu d'aussi beau sabot que tiens. Et ta peau, elle est ridée comme l'écorce de l'arbre. Oh, que c'est beau! Surtout pour mes articulations. Oh, ma Tamia, moi, mon poussin des îles, mon bébé. Ma... Quelle chic idée! C'est un bain à remous. Un bain à remous? C'est que... Je ne te savais pas si ingénieux, mon Bernache. Je te vois sous un nouveau jour, tu sais. Ah ouais? Oh, c'est quoi cette odeur? C'est rien. Allez, laissons-nous aller, mon poussin. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle horreur! Ça vient de là! Mon poussin, mon oiseau des îles! Attends, et notre péché? Pauvre idiot! Jamais je ne remettrai mes sabots dans cet endroit infect! Jamais! Non mais c'est quoi ça, délire? Non! Ma pompe! Vous en êtes prévenus! Repiez-vous les enfants, vite! Ça, moitié winner! Tiens, tiens, mais c'est notre voleur. T'as un problème, le gros? Peut-être qu'on peut t'aider. Yeah!
Maintenant que Bernache n'a plus d'amoureuse, il ne viendra plus piller notre source. Génial! Ce que tu as fait pour nous n'a pas de prix, Pirouette. Ça, c'est vrai! T'as été génial, Sorette! Surtout qu'au début, tu croyais avoir affaire à des belettes. Jamais nous n'oublierons votre générosité. Et moi, jamais je t'oublierai tout court. Je suis désolée, mille excuses, les enfants. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a oublié de vous dire. Les gaz, c'est pas simplement quand on est en colère, mais c'est aussi quand on est très heureux. Et comme dirait Dandelion, ça pue pas bon.